Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence, la première conférence de la journée, où nous allons parler ce matin d'engagement citoyen avec un très beau panel choisi sur le volet. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a encore de la place. Nous ne mordons pas. Donc nous allons commencer par vous présenter avant d'entamer ce passionnant sujet. Et je dois dire que j'étais vraiment amusée, intriguée quand j'ai découvert vos parcours aux uns et aux autres. Donc on va commencer par toi, Mathieu. Mathieu, donc, tu es directeur associé et en charge notamment du business développement et du marketing chez Microdon. Microdon qui vous permet, comme vous le savez... Non, normalement, tu n'as rien à faire, le micro se connecte. Et avant, Mathieu, tu avais une passion pour les savons. J'ai vu que... oui, j'ai fait mes petites recherches. Tu travailles dans les savons, les savons de Marcel, même, attention, jeu de mots. Tu t'occupais aussi d'une agence de développement durable, Marcel Green, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, maintenant, tu travailles chez Microdon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Microdon et sur ce que tu fais? Avec plaisir. Je vois que effectivement, tu as fait de bonnes recherches pour aller déterrer le savon de Marcel. Alors, Microdon, en quelques mots, l'entreprise sociale Microdon n'est pas forcément connue de tous, mais j'ose espérer que vous avez tous au moins une fois dans votre vie interagi avec un dispositif de Microdon. Le job de Microdon, c'est de déployer des grands dispositifs de collecte de Microdon, comme son nom l'indique, sous une marque qui s'appelle L'Arrondi, et dont les deux grands dispositifs sont l'arrondi en caisse, que vous pouvez croiser dans un certain nombre d'enseignes de distribution, dont Maison du Monde, et qui vous permet d'arrondir le montant de vos achats à l'euro supérieur et de reverser la différence, les quelques centimes, à une association soutenue par le magasin. Et cette idée, on la décline également sur les salaires, puisqu'on propose dans un peu plus de 300 boîtes en France aux collaborateurs d'arrondir leur salaire, alors pas à l'euro supérieur, hélas, mais plutôt à l'euro inférieur, et de reverser là encore quelques centimes ou quelques euros à une association que la personne a choisie. Ces centimes sont prélevés directement sur le bulletin de salaire. Super, merci beaucoup. Et donc effectivement, quand on va chez Maison du Monde, on peut arrondir exactement. Il y a énormément de gens qui le font chez Maison du Monde, ça marche très très bien. Super. À ta droite, nous avons Ferdinand Richter. Bonjour Ferdinand, donc, tu es autrichien-allemand. Mais tu parles évidemment couramment français. Et tu t'occupes de la France, d'ailleurs, pour Ecosia. Tu vas nous en dire un peu plus. Et toi, dans ton parcours, j'ai aussi été fascinée par les différents chapitres. Donc Ferdinand, ici présent, a été rugbyman professionnel, a été chef de projet en permaculture, a été coach avant de travailler chez Ecosia. Donc également une belle trajectoire. Est-ce que tu peux nous dire justement en quoi consiste Ecosia et quels sont les engagements citoyens que l'on peut faire avec cet outil? Alors, bonjour à tous déjà. Ecosia, c'est un moteur de recherche. Donc, comme on l'utilise tous au quotidien, moteur de recherche, donc on connaît tous Google, j'imagine. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'en utilisant un moteur de recherche, vous générez en moyenne 30 euros par an, juste parce que de temps en temps, vous cliquez sur des annonces. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est gratuit d'utiliser un moteur de recherche. Et Ecosia, tout simplement, l'idée, c'est de se dire, et si on utilisait cet argent pour faire du bien? Et dans notre cas, c'est investir cet argent dans des projets de reforestation dans le monde. Donc, c'est une idée assez surprenante au début. Ça a mis du temps à rentrer un petit peu dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, ça marche plutôt bien. On va atteindre là, dans quelques jours, les 30 millions d'arbres plantés dans le monde. Wow. On soutient les associations locales dans différents pays. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de pays. Il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent grâce à ça. Et juste parce que des gens comme vous décident à un moment donné d'utiliser Ecosia. Donc c'est gratuit, ça change pas grand-chose en fait dans le quotidien. Mais c'est vraiment cette mini-action qui montre qu'on peut faire du bien dans son quotidien et que l'impact, si tous on s'y met à toute petite échelle, peut être assez conséquent. Et c'est ce message-là qu'on a envie de partager. Et voilà, donc on espère que ça va grandir encore plus parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, on a planté 20 millions d'arbres en une seule année. Et on espère que ça sera encore beaucoup plus pour que les 10 millions qui sont coupés tous les jours, pour qu'on puisse à un moment donné dépasser ça.
Super. Et d'ailleurs, vous êtes partenaire de cet événement. Chaque visiteur permet... Donc, merci à tous qui sont là, parce que vous avez déjà permis de planter un arbre sans de plus. Le savoir. Sans le savoir. Donc oui, chaque visiteur de l'événement, pour chaque visiteur, Ecosia plante un arbre. Merci Ferdinand. Ensuite, nous avons Pauline Rétoré. Donc, bienvenue Pauline et merci de montrer que les femmes sont aussi très actives dans l'engagement citoyen. Donc Pauline, toi tu es directrice du pôle accompagnement pour Planète Urgence et tu t'occupes donc des congés solidaires. Tu vas également nous expliquer de quoi il s'agit. Et avant cela, attention, non t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu vas nous détailler? Oui c'est ça. Non, j'ai vu que tu étais enseignante d'anglais, enfin que tu avais enseigné l'anglais, donc on pourra parler dans différentes langues à cette table. Et il y a quelque chose qui m'a amusée, c'est que tu as été chargée de projet en service civique pour une association qui s'appelle Maison des citoyens du monde. Et donc, je trouvais ça assez intéressant que tu parles d'engagement citoyen dans un événement organisé par Maison du monde. La boucle est bouclée. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais chez Planète Urgence, Pauline? Alors, donc, je suis directrice du pôle accompagnement. Planète Urgence, donc, c'est une association qui a été créée en 2000. Avec la notion de congé solidaire. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est la notion de congé solidaire tout à l'heure, mais voilà, c'est partir en volontariat sur deux semaines. Et puis donc Planète Urgence donc a commencé par le congé solidaire et ensuite s'est rendu compte dans les années 2005-2006 que c'était pas suffisant, qu'il fallait aller un petit peu plus loin dans le développement, dans l'action de développement. Et donc a décidé de mettre en place, toujours avec des partenaires locaux, des programmes de reforestation et des programmes liés à l'éducation pour boucler la boucle et pas seulement juste envoyer des volontaires sur le terrain, mais aussi faire que se réapproprient en tout cas les partenaires locaux, les aider en tout cas à s'autonomiser encore plus et à créer des activités génératrices de revenus liées par exemple à un programme de reforestation. Donc on va collecter aussi de l'argent, par exemple en France, avec le programme 1 euro un arbre, qui est ensuite reversé à des actions qui sont menées à Madagascar et en Indonésie. En Indonésie, par exemple, pour replanter des palétuviers, pour redensifier l'aquaculture, par exemple, ou la culture de tapia à Madagascar. Donc ça, c'était plutôt sur la thématique environnement, parce que c'est lié à l'événement aussi, mais on a des actions sur la thématique de l'éducation aussi. Parce qu'on envoie des volontaires dans des structures éducatives. Et donc là, on va appuyer via une opération qui s'appelle 5 euros un kit scolaire. Et donc les kits scolaires sont créés de toutes pièces sur le terrain et sont après donnés aux enfants qui sont aidés, enfin qui sont bénéficiaires des associations qu'on aide. Je ne sais pas si c'est tout bien clair, mais... Si, si, super. Mais d'ailleurs, Pendant la conférence, tu nous parleras de différentes missions potentielles. Il y aura une bourse au congé solidaire où vous pourrez vous projeter. Merci, Pauline. Et enfin, Sébastien Gallier, responsable des soutiens nationaux et internationaux à la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, qui s'appelait avant la Fondation Nicolas Hulot. Tu t'occupes notamment du programme J'agis pour la Nature. Et tu y es depuis 2006, donc c'est vrai que je n'ai pas trouvé beaucoup de... tu es sauvé. Mais j'ai lu sur Viadeo que tu aimais les siestes dans les hamacs. Et ça n'a pas de prix. Oui, ça date d'une ancienne vie d'ailleurs, de plusieurs années passées au Pérou. C'est vrai que là-bas, il y a la culture de la sieste qui s'impose de toute façon par elle-même à cause de la chaleur. Oui, donc à la Fondation pour la Nature et l'Homme, alors récemment pour la Nature et l'Homme, tout le monde connaît Nicolas Hulot et la fondation qu'il a créée en 1990. Donc évidemment, Nicolas Hulot, par ses émissions, a contribué à émerveiller et à éveiller une partie de la population française. Mais aux côtés de cela, il a créé une fondation pour essayer de... faire de l'éducation à l'environnement un axe central de l'éducation scolaire. Donc on a, pendant la première décennie, dans les années 90, beaucoup travaillé avec l'éducation nationale. Et à partir des années 2000, on a vu que l'environnement devenait quand même un sujet de plus en plus approprié. Il y avait de plus en plus d'informations dans les médias. Maintenant, c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on entende parler d'environnement. Donc c'est vrai qu'on a évolué petit à petit vers plus des notions d'engagement citoyen et travaillé sur les leviers, qu'on va détailler un petit peu après, sur lesquels il faut travailler pour que les citoyens puissent se mettre en action, soit chez eux, dans leurs habitudes quotidiennes, soit dans des actions plus collectives, qu'on va détailler après.
Merci, beau teaser. Et d'ailleurs, je vais te laisser la parole pour la première partie de cette discussion qui consiste à faire un petit état des lieux de l'engagement aujourd'hui en France et de l'évolution des tendances d'engagement citoyen. Donc, si on prend de la hauteur, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, je vais partir de ressentis qu'on a tous. Alors, on a les acteurs qui sont ici et je pense aussi dans la salle, le sentiment, quand on regarde 10-15 ans en arrière, que les choses évoluent quand même dans le bon sens, qu'il y a de plus en plus de gens conscientisés qui ont envie d'agir. Et puis, parallèlement à ça, on entend aussi qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, notamment les jeunes qui sont toujours sur leur smartphone, qui les coupent du monde réel, etc. Donc si on met ces impressions de côté, qu'on regarde les faits, les chiffres, les études, on a deux enseignements principaux, un qui est très encourageant et un qui nous amène à réfléchir. Alors ce qui est encourageant, c'est qu'entre 2010 et 2016, le nombre de personnes qui se sont engagées bénévolement a augmenté de 17%, quand on prend l'ensemble de la population. Quand on prend la catégorie des 15-35 ans, ça a augmenté de 34%. Donc déjà, on peut casser le mythe du jeune qui ne pense qu'à lui et son smartphone. Les chiffres nous montrent absolument l'inverse. Donc ça, c'est une tendance lourde qui se confirme depuis longtemps et qui est très encourageante. Faut savoir qu'en France, on compte à peu près 13 millions de bénévoles. Donc on parle de quelque chose qui est extrêmement important. Ça représente 25% de la population capable de s'engager. Évidemment, on met de côté les trop jeunes et les trop vieux. Et ces 13 millions de bénévoles, la machine, c'est l'énergie qui permet de faire fonctionner 87% des 1,3 million d'associations actives en France. Alors je parle de tout domaine confondu évidemment, mais voilà, je vous donne ces chiffres-là pour que vous preniez vraiment conscience de quoi on parle. On parle de quelque chose qui est absolument fondamental, qui est un ciment pour notre société, et qui a plutôt tendance à se développer. Donc ça, c'est l'élément positif. Après, l'élément qui doit nous amener à réfléchir, c'est deux choses. La première chose, c'est que aux côtés de ces 25%, les spécialistes estiment que 40% de la population est à deux doigts, on va dire, de s'engager. Voilà, est susceptible de s'engager dans les mois ou dans les années à venir. Il manque quelque chose pour qu'ils fassent le pas. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que si d'un côté ces chiffres sont très encourageants, il y a aussi une évolution qui, là aussi, est confirmée par les spécialistes de la manière de s'engager. Sous deux formes. La première, c'est qu'on passe très clairement d'un engagement de long terme vers un engagement ponctuel. Et la deuxième, c'est qu'on passe d'un engagement militant à un engagement de projet. Donc, en gros, l'engagement d'hier qui était de se dire « je crois en une cause et je m'engage pendant 10 ans », a été remplacé par, je crois, un projet de proximité sur mon territoire et j'ai envie de m'engager pendant quelques semaines, quelques mois. Ce qui ne veut pas dire qu'après, je ne m'engagerai pas plus à long terme. Mais ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse au cadre d'engagement qu'on propose et à la diversité des modes d'engagement qu'on propose aux citoyens pour aller chercher justement cette population, ces 40% qui ont envie, qui ont cette flamme, mais qui n'ont pas encore fait le premier pas. Super, merci pour cet éclairage. Et d'ailleurs, on va parler maintenant de ces portes d'entrée, de ces nouvelles façons de s'engager qui peuvent peut-être permettre à ces 40% d'aller plus loin, de se lancer dans l'aventure avec notamment vos solutions. Je regarde Mathieu et Ferdinand. Donc, vous proposez des outils qui sont finalement des portes d'entrée. On est plus dans le micro-engagement. En quoi ça consiste et est-ce que vous pensez justement que ça permet de toucher cette nouvelle population de wannabe bénévoles ? Qui veut commencer ? Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Sébastien, parce que effectivement moi ça me fait réagir. Ces 40%, moi je pense que nous on est effectivement un peu là pour aller les chercher. Et j'écoutais les chiffres que tu donnais et il se trouve que l'année dernière on a fait une petite étude, alors je suis désolé, ça va faire des chiffres en plus, mais qui disait assez bien ça, où on est allé interroger les 18-35 ans en leur demandant combien d'entre eux avaient déjà donné en argent à une association. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 70% d'entre eux qui n'avaient jamais donné en argent à une association. Ils pouvaient avoir donné du temps, ils pouvaient avoir donné dans la rue, ils faisaient des tas de choses, mais ils n'avaient jamais donné en argent à une association. Et quand on demandait à ces 70% qui ne l'avaient jamais fait, est-ce que vous accepteriez l'arrondi, 85% disaient oui. Et je crois que ça reflète bien ce que tu dis là. Nous, on est assez convaincus que Alors, ce que tu dis sur les jeunes, par ailleurs, est très enthousiasmant, mais moi, j'en suis convaincu aussi.
Ils sont loin de se désintéresser de ces sujets-là. En revanche, je pense qu'il faut un petit peu adapter les modes de sollicitation. Et nous, on est assez convaincus que ce qu'on propose, c'est une manière, un premier passage à l'acte, et dont on espère qu'il peut être ensuite porteur d'autres actions plus peut-être dans la durée ou un petit peu plus engageantes. Mais effectivement, nos études, elles montrent qu'on aide à faire ce petit pont-là. Et vous avez justement d'autres études, des preuves que les personnes qui commencent avec l'arrondi vont ensuite vers d'autres types de projets, d'engagement plus durable ? Alors ça, on a un petit peu plus de mal à le voir dans l'arrondi en caisse, donc ce qui se passe en magasin, puisque les dons sont anonymes, donc c'est difficile de suivre les gens. En revanche, dans la partie arrondi sur salaire, dons sur salaire, là, les gens sont loin d'être anonymes, et donc on voit un petit peu comment le don sur salaire dans la dynamique d'engagement d'une entreprise peut parfois être un premier pas qui permet d'engager un maximum de monde, ou en tout cas une large proportion de la population de l'entreprise, et qui va ensuite déboucher sur des projets plus engageants. Et je pense que c'est assez intéressant de regarder comment les entreprises progressent là-dessus. Et je pense que le congé solidaire, c'est très marrant de voir comment les choses s'enchaînent. Il est assez fréquent pour nous de voir que quelqu'un va commencer par faire un petit arrondi ou un don sur salaire pour une association, et puis l'année suivante ou l'année d'après, son entreprise va proposer un congé solidaire pour cette association-là, et évidemment, il va être tenté d'aller jeter un œil à ce que ces quelques centimes ont pu produire sur le terrain, ou voir comment il peut aller un peu plus loin et donner de son temps également. Donc je crois qu'il y a effectivement un cheminement dont le microdon est sans doute un des points de départ. Il y en a d'autres, Ecosia s'en est certainement un aussi, et qui mène vers des choses un petit peu plus engageantes. Merci Mathieu. Bah justement, Ferdinand, avec Ecosia, toi tu fais vraiment appel aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages quotidiens finalement des personnes pour aussi les sensibiliser et les attirer vers plus d'engagement. Ouais, c'est parce que moi je viens pas du tout du milieu tech à la base, et c'était vraiment un choix professionnel pour moi aussi de dire c'est quoi le monde, vers quoi il évolue, et même si on n'est pas d'accord, ben les jeunes ils sont en grande partie sur leur smartphone, c'est juste une réalité aujourd'hui, et vu les grands groupes qui dominent un petit peu le monde, je crois pas que ça va s'arrêter demain. Donc comment on peut faire pour aller les chercher là où ils sont? Et là, le moteur de recherche, mais aussi au niveau de la com, on travaille beaucoup avec les influenceurs YouTube et tout ça, tout simplement pour se dire, même si j'aime pas, c'est la réalité, allez, on y va, et on va les chercher là, dans leur mode de communication, et on essaie de les engager comme ça. Ce qui se passe avec Ecosia, c'est presque l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes de gens qui ont envie de s'engager plus, parce qu'on est encore une petite équipe, et qu'on voilà, on peut pas répondre à tout, mais on en reçoit beaucoup de demandes de gens qui disent, j'ai envie de faire plus, donc c'est un très très bon signe. Et après, je crois le vrai challenge derrière, et ça c'est peut-être l'ancien sportif de haut niveau, je suis très exigeant avec moi-même, mais c'est de ne pas s'engager non plus dans n'importe quoi. C'est-à-dire que d'expérience, on voit qu'on a fait beaucoup de bêtises aussi dans ce monde qui fait qu'on en est là aujourd'hui, souvent avec de très bonnes volontés, et que moi la permaculture m'a appris à observer d'abord un petit peu avant d'agir, pour vraiment savoir de quoi a besoin l'écosystème avant de tout labourer ou de planter je sais pas quoi, alors qu'il y a déjà plein de choses qui poussent naturellement, que je peux en prendre soin, et que peut-être au lieu de démarrer moi-même un jardin, je peux aider quelqu'un d'autre à le faire pousser. Voilà, les orties, j'ai pas besoin de les couper direct et de les jeter, parce qu'on peut en faire quelque chose si on a la connaissance. Et c'est vraiment ça quelque chose que j'encourage aussi dans le contact avec les jeunes, c'est-à-dire déjà regarder ce qui pousse avant de vouloir créer votre entreprise. Peut-être vous pouvez les soutenir. Prenez un peu de temps d'observer qu'est-ce qui se passe et posez-vous la question, où c'est que je peux agir avec le moindre d'effort pour avoir un impact maximal. Et c'est pas facile, parce qu'on aimerait, bien, on est dans cette culture de « je veux faire plein de choses demain ». Mais de s'autoriser ça fait qu'aussi on perd beaucoup moins d'énergie, et au final on minimise le risque d'avoir la même conférence dans 5 ans ou dans 10 ans parce qu'on s'est planté justement en faisant trop de trucs et en ne prenant pas le temps d'observer un petit peu qu'est-ce que la nature nous propose d'elle-même. Voilà. C'est drôle que tu dises parce qu'on s'est planté justement.
Moi, je dis toujours, il faut se planter pour commencer, donc exactement. Pour que quelque chose pousse. Pour devenir une belle fleur par la suite. Et justement, est-ce que le micro-engagement que vos outils permettent ne présente pas ce risque de permettre aux gens de zapper, de se donner bonne conscience, mais finalement en agissant juste une fois ponctuellement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? Il y est, 100%. Par contre, ce que nous on vise, et c'est pour ça que si vous allez sur Ecosia, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à Google. Ça veut dire presque, moi quand j'ai commencé à l'utiliser, au bout d'un certain temps, j'ai oublié un petit peu. Je savais que je faisais du bien, mais j'ai oublié, voilà. Et c'est d'après moi le meilleur moyen de toucher aussi le grand public qui n'est pas encore conscient. Et je crois que le vrai challenge, il est là aujourd'hui, c'est que j'imagine aussi que les personnes sont là, sont déjà pas mal conscientes de ce qui se passe. Aujourd'hui, le vrai challenge, c'est de dire comment on arrive à porter ce message à grande échelle, de communiquer sur tout ce qui existe, de communiquer sur les solutions qui existent un maximum pour que ça devienne de plus en plus grand, même s'il y a forcément un risque, et de se garder le doute, de ne pas dire je sais, de ne pas dire c'est la solution, mais de dire je doute tous les jours de est-ce que c'est le bon chemin, et c'est ça qui moi m'assure de peut-être voilà, de ne pas faire des bêtises à grande échelle. Merci. Alors Pauline, toi avec Planète Urgence, vous proposez effectivement des engagements, ouais. le lapsus est intéressant, des engagements de plus long terme pour des missions précises. Donc quel public vous visez finalement, et est-ce que ces congés solidaires de quelques semaines peuvent déboucher après sur des engagements à très long terme, plus militants aussi peut-être? Qu'est-ce que vous observez côté Planète Urgence? Alors déjà, je voulais souligner ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui s'engagent sur de l'arrondi sur salaire, qui est réorienté sur les opérations 1 euro 1 arbre. Donc, on va planter 10 000 arbres dans le cadre de l'arrondi sur salaire. Et voilà, ça allume une petite lumière chez ces salariés qui vont ensuite, des fois, être porteurs de ce projet-là au sein des entreprises. On a un pôle partenariat qui va venir les aider quand il n'y a pas d'accord qui ont été écrits entre Planète Urgence et une entreprise. Ben, c'est un salarié qui va porter en interne le fait que l'entreprise puisse le soutenir lui et peut-être potentiellement d'autres après sur du congé solidaire. Donc qui on cible sur le congé solidaire, c'est tous les salariés qui souhaitent s'engager en fait. Les missions, on en a plus de 300 sur le site internet, elles sont toutes différentes, elles demandent toutes des compétences spécifiques, mais tout salarié a forcément des compétences, donc c'est ça l'idée, c'est de donner cette richesse de salariés qu'on a en France chez nos partenaires, à nos partenaires locaux en Amérique latine, Afrique et Asie. Et on se rend compte que y a des volontaires qui vont partir avec le soutien de leur entreprise une première année, qui la deuxième année vont ressolliciter l'entreprise. L'entreprise va dire je vais soutenir moi d'autres salariés pour donner la chance à tout le monde de pouvoir partir. Et ces salariés vont décider de partir à titre individuel quand même. Donc on a quand même on a sauté une barrière et l'engagement est plus fort d'année en année. Donc on a des volontaires qui repartent assez régulièrement et d'autres qui vont même jusqu'à s'engager en tant qu'ambassadeurs de Planète Urgence. On est en train de consolider, il y en a un dans la salle, il y en a un qui nous aide à tenir le stand aussi à côté. Donc merci Romuald. L'idée, c'est vraiment que ces personnes qui ont vécu le congé solidaire, qui ont été un peu changées par le congé solidaire aussi, parce qu'on part en congé solidaire et on ne revient pas de la même manière. Ensuite, on va vouloir réinvestir cet engagement qu'on a eu pour aller toquer à la porte d'entreprises très locales à Nantes, par exemple. Parce que nous, on est basé à Paris, mais il faut aussi laisser tout le périmètre français pouvoir s'ouvrir, en tout cas, au congé solidaire. Et le congé solidaire, qu'est-ce que c'est, peut-être ? Oui, peut-être expliquer très rapidement. Avant tout. Et nous donner un exemple de mission également. Ouais. Alors, le congé solidaire, c'est un format de 2 semaines. Donc, le salarié donne 2 semaines de son temps. Il est subventionné ou non par son entreprise pour partir. Et il va aller donner de ses compétences sur 3 types d'interventions différents. On a la formation pour adultes. Typiquement, on va vous demander
je sais pas, une association, on part toujours des besoins locaux, donc une association locale en Inde va avoir besoin par exemple qu'on refonde son site internet, donc on en crée un. Donc on va envoyer d'abord une personne qui a des compétences en infographie, en ingénierie vraiment de site internet, et puis ensuite on va envoyer un autre volontaire derrière pour aider l'association à savoir maintenir ce site internet, à pouvoir se débrouiller avec tout seul. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à ce besoin avec peut-être plusieurs volontaires les uns à la suite des autres, sur des formats 2 semaines toujours, eh ben on va se demander si le besoin est bien, satisfait. Si on a, voilà, satisfait. Et donc, on va réévaluer les besoins, étudier l'impact déjà, et puis ensuite voir s'il n'y a pas d'autres besoins qui ont besoin d'être répondus. Si c'est le cas, on recrée des nouvelles missions, mais si ce n'est pas le cas, on arrête le partenariat parce qu'il n'y a plus besoin, en fait. Voilà. Autonomie des populations, c'est avant tout... Mission accomplie. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, avec ce format, vous luttez aussi contre ce qu'on appelle le volontourisme, c'est-à-dire les gens qui vont partir en vacances en se disant qu'ils vont sauver le monde, prendre plein de photos avec des petits-enfants et finalement ne pas avoir beaucoup d'impact. C'est ça. L'idée, c'est avant tout, c'est des missions de qualité, c'est-à-dire qu'on part des besoins du terrain pour y répondre avec des volontaires qui sont sélectionnés quand même sur leurs compétences, qui sont formés au départ. C'est une formation qui est obligatoire, qui dure 2 jours à Paris. Voilà, où on explique un peu les conditions d'intervention, qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, ce qu'on attend du volontaire sur place. Et le fait que ce soit aussi un pôle accompagnement qui soit là pour accompagner le volontaire de A à Z et faire de la qualité vraiment, et éviter qu'on soit confondu avec des entreprises qui feraient de l'envoi de volontaires justement pour un business, quoi. L'idée, ce n'est pas vraiment ça. C'est réellement d'aider et d'impacter les populations locales qui en ont besoin. Merci. À chaque fois, on fait des petits tours complets. Sébastien, avec le programme J'agis pour la nature, donc toi, finalement, tu mobilises aussi des technologies parce qu'on peut visualiser des actions à faire dans son périmètre, mais ce sont pour des actions ponctuelles qui ne nécessitent pas forcément de compétences précises. Alors, en effet... Pourquoi utiliser les technologies en 2007, quand on a commencé à se pencher un peu sur l'engagement pour la nature, vous voyez qu'il y avait, comme je disais tout à l'heure déjà à l'époque, beaucoup de volonté des citoyens de s'engager sur le terrain. Et quand on regardait les raisons pour lesquelles ils ne s'engageaient pas, une des premières qui arrivait, c'était le fait qu'ils ne savaient pas avec qui et où. Alors que nous, on voyait qu'il y avait une multitude d'acteurs, des réserves naturelles, des conservatoires, des associations, des collectivités qui proposaient tout un tas d'initiatives. Et donc, on voyait qu'il manquait ce trait d'union entre le citoyen et les acteurs de terrain. En fait, notre approche, j'utilise souvent une phrase un peu provocatrice volontairement, mais je dis qu'on en arrive à une consommation d'activités d'intérêt général. Et je pense qu'on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on doit s'inspirer des techniques marchandes pour proposer des actions d'intérêt général. Parce que, on en est tous conscients, maintenant les gens vont très vite, il faut que ça aille vite, il faut que l'information soit immédiate, instantanément comprise, il faut qu'elle soit localisée, il faut que ça soit proche, il y a toute une série de conditions qu'on doit respecter si jamais on veut accrocher ces fameuses personnes, les 40% dont je parlais en introduction. Donc l'idée a été de créer cette plateforme, donc j'agis-pour-la-nature.org, où au jour d'aujourd'hui il y a 635 structures réparties sur toute la France, et ces structures peuvent mettre en ligne leurs actions et les informations sont envoyées aux personnes qui sont inscrites, donc il y a presque 20 000 personnes qui sont inscrites au jour d'aujourd'hui et qui reçoivent des informations en temps réel et géolocalisé surtout. Évidemment, on ne va pas proposer à quelqu'un à Nantes un chantier nature à Marseille. Donc on s'inspire beaucoup de ces techniques-là et c'est comme ça qu'on arrive à aller gratter un petit peu dans une population qui a envie mais qui ne sait pas comment faire, puisqu'en gros, on prémâche le travail. Un autre élément qui est fondamental, c'est qu'il faut qu'on propose des actions qui soient accessibles à tous. Alors accessibles, c'est-à-dire gratuites, dans un premier temps, c'est une condition, mais aussi accessibles en termes de connaissances. Voilà, il ne faut pas qu'avoir fait... un bac plus 5 en écologie pour pouvoir participer, c'est pas une évidence. On propose des actions qui sont plutôt collectives, des actions à faire en famille, entre amis, conviviales, et c'est en utilisant tous ces autres leviers que celui de l'engagement pour la nature qu'on arrive aussi à faire venir des gens qui
viendront pour un autre motif et qui vont découvrir un espace naturel proche de chez eux, qui vont découvrir une association et petit à petit, comme ça, s'engager une fois, deux fois et ensuite plus durablement. Et je vais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure. Il n'y a pas de petits engagements et de grands engagements, en fait. Il n'y a pas de je fais un micro-don, donc je n'irai pas aider un projet à côté de chez moi. Ça, en fait, ça ne se confirme pas. On est vraiment dans un parcours. Chacun va à son rythme, c'est normal, aussi en fonction de ce qui se passe. On voit bien que de 25 à 40 ans, bah forcément, quand on est jeune parent, on a aussi moins de temps. Donc on a eu un petit creux en fonction des aléas de la vie. Mais on se rend compte qu'on est toujours dans un parcours et tout ça sont des pièces d'un puzzle qui sont toutes fondamentales, en fait. Donc il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas à opposer un engagement à un autre. Voilà. D'accord. Et ma question ouverte à tous les quatre, quels seraient, selon vous, les facteurs de succès, justement, qui permettent à une action de susciter l'engagement durable? Que ce soit dans vos... Enfin, pour même si on n'oppose pas des engagements très ponctuels ou des engagements de plus long terme. Moi, je peux rebondir, comme ça, on va refaire le tour dans l'autre sens. Parfait. Un des points sur lequel on travaille beaucoup, mais qui est spécifique à l'environnement et à la protection de la nature, c'est la confiance. En fait, on s'est rendu compte qu'un des gros facteurs limitants pour que les gens fassent le pas, c'est qu'ils aient confiance en eux, puisqu'on est dans un domaine qui, encore maintenant, est perçu comme un domaine de spécialistes, de naturalistes, d'ornithologistes, etc., de gens qui sont des sachants, soit des techniciens, des gens qui connaissent. Or, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire en tant que citoyen uniquement en donnant de son temps, de ses bras, de son énergie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des impacts extrêmement concrets pour la nature sans comprendre tout le fonctionnement de l'écosystème sur lequel on travaille. Donc nous, on fait un gros travail là-dessus en communication, en montrant des exemples, des témoignages pour montrer qu'on peut agir pour la nature sans avoir de compétences naturalistes pour particulières. Pour décomplexer, finalement. Exactement. Super. D'autres... D'autres idées, bon bah, on repart. On refait Pauline, on fait le tour. Dans l'idée de décomplexer, nous, enfin, ça peut paraître un peu compliqué de se dire, je pars deux semaines à l'international dans un pays où les conditions de vie peuvent être assez, encore une fois, compliquées. Donc notre travail à nous, c'est de rendre ça simple, c'est-à-dire de partir du fait, t'as envie de t'engager, ok, bah nous on facilite parce que la mission elle est cadrée à l'avance, parce que l'hébergement, la nourriture, tout ça c'est pensé déjà, pour que le volontaire, eh ben, il ait à penser qu'à sa mission, c'est-à-dire son objectif de renforcer les capacités, d'aller observer la nature et d'en rendre compte pour donner des données scientifiques justement pour pouvoir garder tout ça. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de faciliter. Ouais. Ok. Mathieu, tu peux... Ah ouais, pardon. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je crois que c'est déjà une question très individuelle aussi. Qu'est-ce qui, à un moment donné, motive quelqu'un à bouger? Je vais peut-être dire quelque chose qui... Alors, moi, je crois beaucoup à l'enthousiasme et la joie et cette énergie-là, mais je crois aussi beaucoup à... On se confronte à la réalité, on prend une claque. On n'a pas trop le choix, en fait. Moi, le vrai virement de l'éveil aussi d'une certaine conscience a eu lieu parce que j'étais dans une souffrance émotionnelle en travaillant en tant que coach pour des grands groupes où je dis, un jour, je me suis dit, je peux plus continuer. Et je suis tombé dans un trou où je me suis dit, bon, et maintenant la suite? Et c'est là que j'ai commencé à aller à la recherche d'alternatives, à la recherche de, mais qui c'est qui propose quelque chose qui ne va pas dans ce sens, qui, moi, ne me fait pas du bien? Et j'ai l'impression que il ne faut pas forcer ça, je crois que ça arrive naturellement. Oui. Mais quand quelqu'un vit ça, d'être présent et d'être exemplaire et d'être là et de dire, je sais en ce moment, ce n'est pas facile, mais je suis là pour t'accompagner, pour t'encourager à essayer d'autres choses, ça, c'est extrêmement important. Et pour moi, ça a presque un rôle d'éducation, notamment avec les enfants qui un petit peu vivent dans un rêve à travers le téléphone. Et de les aider à se confronter à la réalité et de dire, on est là, ça ne va pas être forcément facile tous les jours, mais on est là pour t'accompagner là-dedans et que voilà, ça va prendre un peu de temps, mais tu vas trouver ta place dans ce monde. En tout cas, c'est ça, je crois, qui m'aurait beaucoup aidé, qui m'a manqué, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. D'accord, super. Mathieu. Je me permets de rebondir là-dessus. Je pense qu'effectivement, le choc un petit peu négatif ou le sentiment d'être allé au bout d'un système peut être très moteur. Je pense aussi que le choc positif peut l'être énormément.
Et je pense qu'il n'y a rien de tel pour générer un engagement durable que d'aller vivre une expérience, même très courte, qui peut paraître anecdotique, où on a vraiment le sentiment de changer quelque chose pour quelqu'un. Là-dessus, moi, je pense que des choses comme le congé solidaire, c'est des expériences qui sont transformatrices. Pour avoir croisé beaucoup de gens qui reviennent de congé solidaire, on n'est plus le même en revenant d'un congé solidaire. Et pour avoir eu la chance de parfois partager sur le terrain l'action d'association, c'est clairement transformateur. Et se découvrir qu'on a ce pouvoir-là, je crois que c'est extrêmement moteur. Et ça change complètement la vision qu'on a sur l'engagement. Super. Donc, confiance, facilité, accompagnement et expérience transformatrice, de bons ingrédients pour motiver à l'engagement citoyen, motiver les troupes de citoyens. Et vous, personnellement, avant de laisser la parole... j'ai encore deux questions à vous poser. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a une initiative, en dehors de vos organisations, évidemment, qui vous a vraiment donné envie de vous engager personnellement? Moi, par exemple, je commence par mon propre exemple. Je suis tombée il y a 4-5 ans sur le blog d'une New-Yorkaise qui vivait sans produire de déchets. J'ai trouvé ça génial, hyper amusant. J'ai bien aimé ce défi-là. Et depuis, je pense que j'ai réduit ma production de déchets de 80%. Et dans la joie, etc. Est-ce que vous, il y a des exemples comme ça qui vous ont marqué dans votre histoire? Mais un petit peu dans le prolongement de ce que je viens de dire, je sais qu'à une époque, alors dans les vies précédentes que tu as décrites tout à l'heure, il m'est arrivé de passer un bon moment sur une ferme bio, échanger avec les agriculteurs qui exploitaient la ferme. Et on a fait le tour de la partie maraîchage, d'un certain nombre de choses qu'ils faisaient. Et je trouve que ça, c'est des expériences qui sont toutes bêtes, mais qui, moi, derrière, m'ont donné envie d'aller imaginer mon potager bio, d'essayer de... D'avoir les mains dans la terre, d'avoir du compost, etc. Autant de choses que je fais très maladroitement chez moi, mais que je fais néanmoins. Et encore une fois, c'est vraiment, je trouve, le pouvoir de ces petites expériences de rien, mais qui rallument des petites choses en nous et qui changent un peu les choses. Super. D'autres... On saute. Moi, ce n'est pas une personne en particulier, mais je dirais que c'est un type de personne que j'ai eu la chance de croiser un peu tout au long de mon parcours. Au début, donc, je le disais en introduction, beaucoup dans les pays du Sud, en Amérique latine et en Afrique. Et quand on va sur le terrain, je trouve qu'on croise toujours ce que j'appelle ces anonymes qui changent le monde. C'est des gens qui ont une énergie, qui ont une foi, qui ont quelque chose de très communicatif. Et on en croise ici, c'est pas partout dans le monde. Et je les trouve admirables parce qu'ils sont très loin des feux des projecteurs. Ils n'en ont pas besoin d'ailleurs. Et ils ont une énergie que je trouve tellement inspirante. Et c'est vraiment, je continue à en croiser encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est quelque chose qui sont des repères dans ma vie personnelle et professionnelle et qui continuent à m'encourager à suivre ce chemin-là. Merci Sébastien. Moi, je repartirais de... Justement, tu parlais tout à l'heure de mon expérience à la Maison des citoyens du monde de Nantes, qui porte les semaines de solidarité internationale, notamment en Pays de la Loire. C'était ça. C'était tous les ans rencontrer un maximum de petites personnes qui faisaient plein de choses à leur niveau. Et ça, c'est super inspirant. Moi, ça m'a donné envie, pendant une petite période de chômage, de faire plus de choses moi-même, avec mes mains. Je me disais toujours, on oppose beaucoup... le cerveau et les mains, alors qu'en fait on devrait pas. Et donc je me suis mise à la couture et je fais maintenant quasiment plein de cadeaux pour les naissances, etc. Moi-même, et je trouve ça hyper valorisant déjà pour moi, et en plus beaucoup plus chargé d'émotions dans le message. Et puis aussi hier, en fait, d'avoir ce petit arbre qui pousse, d'avoir ce petit arbre qu'on a, se donner envie de jardiner un peu plus. Moi, dans mon jardin, il y a une partie qui est jardinée, potager, et puis le fond, effectivement, c'était une forêt. Et en fait, je me dis, peut-être la garder comme ça. La laisser pousser. Ferdinand ? Je dirais, il y a deux trucs vraiment marquants dans ma vie ces derniers temps. C'est une fois mon stage de permaculture qui m'a transformé, parce que de passer d'une pensée de performance à une pensée de prendre soin et créer de l'abondance, c'est comme si j'avais enfin découvert ce que je cherchais depuis longtemps. Et j'ai mon projet de permaculture, mais je l'applique aussi dans le management en entreprise, et c'est incroyable. Mais je dirais très récemment, ce qui est aussi plus en lien avec Ecosia, c'est que j'ai découvert une youtubeuse
qui a refusé un contrat de Google pour s'engager, qui est dans le minimalisme très engagé. Et c'était une personne moi je croyais qu'elle avait 21 ans parce qu'elle a une façon très très enfantine presque de présenter. Elle est plus âgée que moi. Mais elle a 150 000 personnes qui regardent ses vidéos sur le minimalisme, sur le zéro déchet. Et là, je dis, c'est incroyable. C'est incroyable le pouvoir de ces trucs. Elle s'appelle comment ? C'est Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui la connaissent. Et qui, pour moi, est un exemple magnifique. Et là, je me suis dit, même si j'adore mon jardin, il faut que je sorte dans le monde et que j'aide ces gens-là qui, à très grande échelle, diffusent des messages super. Et ça m'a ouais, changé ma vision sur le monde dans lequel on vivait et sur ce qui était possible si à la fois on plante des arbres, mais aussi on communique sur toutes les initiatives qu'on a là à grande échelle. Ouais. Merci. Merci pour vos partages. Je trouve ça hyper motivant de vous entendre là. Et avant de laisser la parole, une dernière question à chacun d'entre vous. Si vous aviez une action précise pour toutes les personnes du public, un engagement à leur niveau, là, au moment où ils quittent cet événement, au moment où ils quittent les machines de Lille, une action concrète ou même que l'on puisse faire dès maintenant, depuis son smartphone peut-être, ce serait quoi ? Wink, wink, Ecosia. On a une application, donc vous pouvez carrément même le télécharger là et commencer à planter des arbres. D'ailleurs, qui utilise déjà Ecosia ici ? Ah, quand même, pas mal. Super, oui. Très bien. OK. Bon, je vais pas... Micro. Alors, ouais. Oui, c'est bon. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander d'aller faire vos courses chez Maison du Monde là, maintenant, tout de suite, pour faire un arrondi. En revanche, vous pouvez aller sur le stand de Maison du Monde et de la solidarité climatique qui est tenue avec le GRS. Et il y a un petit flyer qui vous expliquera comment faire un don SMS au GRS là, maintenant, tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Belle excuse. Sébastien. Bah, forcément, pas très original. Je vais vous inviter à aller voir mes collègues Nina et Géraldine qui sont à l'entrée pour vous inscrire sur J'agis pour la nature. Et puis, si vous êtes nantais, peut-être faire le pas d'aller avec la Fédération des Amis de l'Erdre prochainement faire un chantier nature ou avec l'association Hirondelle ou faire un suivi des oiseaux migrateurs avec la LPO. Bref, il y a je crois, autour de Nantes, une quinzaine de structures qui vous proposent des actions. Donc, ou s'impliquer dans un programme de sciences participatives, parce que là aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est une des possibilités d'implication plus en autonomie. Mais voilà, vous pourrez découvrir tout ce qui est à votre portée. Merci. Et Pauline, pour finir ? Moi, je vous invite à aller sur le site internet de Planète Urgence et de regarder toutes les missions qu'on peut proposer. Il y en a forcément une qui peut cadrer avec vos compétences et ce que vous pouvez apporter sur une mission. Je me rends compte que j'ai oublié. Oui, tu devais apporter quelques petits échantillons de mission. Oui. Alors ça, j'ai oublié tout à l'heure, je vous ai dit, il y a trois types d'interventions, je vous en ai cité qu'un. Et les deux autres. Donc c'est l'appui à la biodiversité et l'appui socio-éducatif. Et donc je vous invite surtout à aller voir, à échanger avec nos deux ambassadeurs qui sont présents aujourd'hui, Ronan et Romuald, qui sont partis en congé solidaire et qui vous parleront de leur mission bien mieux que moi. Merci voilà. Beaucoup, merci à tous. Alors, on va se tourner maintenant vers le public. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos intervenants sur l'engagement, des questions, des remarques d'ailleurs ? Alors, c'est la première conférence, donc ils sont peut-être encore un peu timides. Bon, écoutez, je crois que votre message a été transmis. Tout a été dit pour que tout le monde soit engagé maintenant. Super. Bon, écoutez, est-ce que vous avez un petit message, une note finale, une conclusion, une citation inspirante ? Une citation, je n'irai pas jusqu'à mais dire qu'en fait, il y a énormément de liens à faire entre oui, toutes nos structures. Énormément de passerelles, oui. Par exemple, j'ai découvert vraiment la Fondation pour la Nature et pour l'Homme hier en allant discuter sur le stand. Je me suis rendu compte que vous faites des chantiers où on peut aller venir aider de son temps en n'ayant aucune connaissance scientifique, pas forcément, mais en étant encadré par des scientifiques sur place qui vont pouvoir
et pouvoir participer en fait à cette collecte que du coup c'est, nous c'est ce qu'on fait en fait chez nos partenaires aussi à l'international, mais c'est des partenaires qui ont du mal à mobiliser sur leur territoire, et donc du coup ils passent par nous pour avoir aussi cette force de frappe pour pouvoir collecter. Donc il y a énormément de choses, bon avec Microdon aussi on a fait du lien déjà avec Ecosia aussi, donc je trouve que c'est assez fédérateur de voir toutes les passerelles qu'il y a entre nos structures et sûrement dans la salle également, dans les allées autour de nous. Yes, les micros s'entrechoquent. Et est-ce que dans les environs ici à Nantes, vous connaissez des organisations, j'imagine évidemment via J'agis pour la nature, mais qui permettent d'aller plus loin dans la reforestation, justement le fait de planter des arbres très localement, de pouvoir en prendre soin, de pouvoir s'en occuper? Non. Peut-être qu'ici, il y en a dans la salle. Mais elles sont sûrement quelque part. voilà. Moi, je ne les connais pas personnellement. Mais... Bon, l'objectif, les trouver, les retrouver. Effectivement, il y en a beaucoup. Oui, Ferdinand ? Peut-être juste, parce qu'il y a une chose qui me vient que je n'ai pas dit. Moi, je crois que c'est notamment avec toutes les personnes qui sont conscientes et qui font du bien. Je crois que ce que moi, je vois, c'est qu'on sous-estime le pouvoir qu'on a, en fait. C'est qu'on est dans un système qui encourage plus la dépendance que la liberté, et que si on prend conscience de qu'est-ce qu'on peut réaliser, voilà, c'est assez incroyable. On a par exemple une jeune qui était sur Twitter et qui a juste partagé Ecosia. Elle avait 200 personnes qui la suivaient, donc c'est juste en gros ses voisins et sa famille et ses amis. Mais ça a tellement pris qu'on a planté 20 000 arbres grâce à elle. Donc c'est juste incroyable. Oui, elle ne se doutait pas qu'elle pourrait avoir cet impact. Elle ne se doutait pas. D'ailleurs, le téléphone a bipé tout le temps. Elle nous a même contactés en disant qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vraiment... Et je crois que c'est... Voilà, il y a des solutions. Et que si vous connaissez quelqu'un, même si ce n'est pas vous, mais qui veut partir en voyage, prenez le temps de lui dire il y a quelqu'un qui peut le faire. Si vous avez un magasin où vous allez régulièrement... demandez-leur à chaque fois, est-ce que vous pouvez faire un microdon? Et même s'ils disent non, vous dites, c'est quand que ça vient. Voilà, c'est juste trouver un peu des solutions créatives qui peuvent faire que même les entreprises commencent à se dire, mais ah bon, microdon? Ben oui, il faut qu'on le fasse. Voilà, parce qu'il y a, tous les semaines, il y a 20 personnes qui viennent et qui demandent c'est quand qu'ils peuvent faire leur microdon. Voilà, et ça, c'est vraiment se reprendre le pouvoir. Et de voir qu'on peut, et on n'a pas besoin forcément de se déplacer, de faire 10 000 choses. C'est justement ces petites actions-là qui, si chacun le fait, peuvent avoir un incroyable impact, quoi. Oui, faire confiance à cet effet papillon, des petites actions qui ont de gros impacts. Donc, j'imagine, Mathieu, tu buvais du petit lait là sur le microdon. Oui. Oui, merci Ferdinand. C'est une bonne remarque. S'entraider, c'est bien. Moi, je le fais, mais bon, tout seul, ça va un peu moins vite. Et est-ce que tu utilises Ecosia, Mathieu ? Eh oui, on est plusieurs à utiliser Ecosia chez Microdon. Et il y a une petite ligue qui se crée pour essayer de contaminer les quelques-uns qui résistent. C'est bien. Et peut-être Sébastien, tout à l'heure tu as évoqué les chantiers nature et les différents types d'actions que l'on peut faire avec J'agis pour la nature. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement ? Oui, en quelques mots. Alors évidemment, il y a des différents types d'actions. Vous verrez si vous allez sur la plateforme, il y a 6 types d'actions. Il y a des actions d'alerte, signaler des atteintes à la nature, des décharges sauvages, des choses comme ça. Et là, on retrouve aussi des applications sur les smartphones qui permettent de faire le lien avec des structures ensuite qui vont agir. Il y a de la protection. Je pense notamment à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est les centres de soins de la faune sauvage. Faut savoir qu'en France, quand des animaux sont blessés sur la voie publique, si jamais ils ne sont pas accueillis par un centre de soins, s'il n'y a pas un centre de soins dans les parages, ils sont malheureusement euthanasiés. Il y a à peu près une soixantaine, je crois, de centres de soins en France qui, pour la plupart d'entre eux, travaillent uniquement qu'avec des bénévoles et qui font un boulot absolument formidable, qui recueillent, soignent et libèrent des milliers d'animaux chaque année.
Donc là aussi, c'est un type d'action qu'on peut trouver. Après, à l'automne, automne-hiver, c'est là où la nature s'endort et c'est là où on peut travailler sur elle. Donc les chantiers nature, d'aménagement, donc je parlais tout à l'heure au bord de l'Erdre avec la Fédération des Amis de l'Erdre ou autre. Il y a les sciences participatives, faire le lien, aider les scientifiques à recueillir des données en allant avec son appareil photo identifier des espèces animales ou végétales. Il y a 180 programmes de sciences participatives en France, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, j'ai ramassage de déchets, je l'ai dit aussi. Et puis des actions de sensibilisation aussi. Vous pouvez trouver des actions de sensibilisation parce que ça, c'est aussi la première marche. On s'est rendu compte que pour certaines personnes, notamment urbaines, le fait d'aller dans un milieu naturel, dans un conservatoire, dans une réserve naturelle pour découvrir, c'était déjà une première forme d'engagement, c'était déjà une première marche. Donc vous pourrez trouver aussi un certain nombre d'activités de sensibilisation pour aller découvrir. Et à Nantes et autour de Nantes, il y a beaucoup d'espaces naturels merveilleux dont vous ne soupçonnez pas toute la richesse. Et c'est vrai que le fait d'aller les découvrir, bah, c'est aussi là où on peut déclencher ce que vous disiez tout à l'heure par l'émerveillement, déclencher quelque chose qui donne envie d'agir ensuite. Toucher l'émotionnel pour donner envie d'agir. Je donne une seconde chance au public si jamais des lueurs d'inspiration, toujours pas. Bon, c'est pas grave, j'ai plein d'autres questions à vous poser. On a parlé, bon, évidemment, de certaines actions que vous pouvez mettre en place. Avec un simple smartphone, par exemple, quel serait selon vous le top 3 des applications à installer pour avoir une action rapide Ecosia. Ouais, bien sûr, Ecosia. Après, non, j'en ai une à rajouter. Alors, il faudrait regarder si elle est déjà en ligne. Il y a une super initiative qui s'appelle iBoycott. Oui, iBoycott. Qui est, en gros, c'est... alors, le mot, est, moi, je trouve un peu mal choisi parce que ça, c'est un peu trop dans la confrontation. Mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est en gros... ils cherchent des produits qui font du mal à la planète, donc sans vouloir tous les nommer. Et ils vont décider tous ensemble de boycotter l'achat de ce produit, pas pour pointer du doigt uniquement, mais pour encourager les entreprises à ouvrir le dialogue. Et ils ont déjà réussi avec des grands groupes de rentrer dans le dialogue et de voir comment on peut changer le produit pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est encore une fois, ça arrive sur iPhone et sur Android, donc sur les deux, je crois. Et encore une fois, c'est une initiative que je trouve très très intelligente, surtout parce qu'il y a l'échange derrière. C'est-à-dire, oui. Ça redonne le pouvoir tout en étant dans une co-construction quelque chose et pas juste dans. Voilà, ça c'est mauvais parce que mine de rien, il y a aussi, comme on le voit ici, des grandes entreprises qui savent qu'il y a des choses à améliorer, qui essayent et qui ont tout simplement savent pas forcément toujours comment. Il y en a d'autres, c'est un peu, il y a la volonté un peu moins présente, mais bon, c'est la réalité en tout cas. Mais elles sont toujours influençables si beaucoup de voix s'élèvent. Une autre suggestion peut-être avant qu'on laisse la place à la prochaine table ronde. Ça peut être une application ou autre, ou un livre, ou un site. Oui, une application que j'utilise pas mal en ce moment, mais qui est peut-être plus encore santé, mais qui a le mérite de vous dire un petit peu la vérité sur ce que vous mangez, qui s'appelle Yuka. Yuka, qui est assez chouette et qui vous permet de scanner les produits que vous achetez et de savoir s'ils sont bien faits, s'ils sont bons pour la santé. On scanne le code barre, voilà. C'est ça, exactement. Et on a toutes les infos. Et qui vous suggère des produits de remplacement si les produits que vous avez choisis ne sont pas les bons. Et souvent, ils vous orientent vers des produits de bio, notamment. Et c'est pas mal. Super. Bon, alors, on m'a fait signe que le temps était écoulé. Je tenais à vous remercier chaleureusement tous les quatre. J'ai été hyper inspirée personnellement par cette table ronde. Merci à tous aussi. J'espère que ces petites graines d'engagement germeront et feront de beaux fruits, de belles fleurs. Et donc, continuons sur cette belle lancée. En tout cas, merci à tous.